friends and relatives that do know of our situation ask, and I'm sure probably every one of your television viewers ask, is why do you stay here? Why don't you just get out? You know, what holds you there? Curiosity. There needs to be more data so that we can know what exactly this is, what causes it. Why do these things happen to certain people, certain places, certain times? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un cas de hantise qui s'est déroulé aux États-Unis et plus exactement au numéro 508 N Sagan Street dans la ville d'Hutchinson, dans l'état du Kansas, entre 1993 et 1995. Les victimes, le couple Pickman. La maison en question date du début du 19e siècle et fut construite pour la famille Finney qui y séjourna sur plusieurs générations. Après le départ de celle-ci, il y eut de nombreux occupants, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est seulement à l'arrivée de la famille Pickman que les phénomènes paranormaux ont débuté. Durant les 20 mois où ils sont restés là, Tony a vécu les événements différemment de sa femme Debra. Ceci s'explique principalement par leur point de vue opposé à l'égard du paranormal. En effet, en s'installant dans cette maison, ils avaient déjà vécu leurs propres expériences et en avaient tiré chacun des conclusions différentes. Debra était catholique, mais en grandissant, elle s'est distanciée de son éducation religieuse qui ne lui correspondait pas. Plus jeune, elle avait fait des séances de spiritisme, mais sans y attacher une grande importance. Néanmoins, elle avait gardé une curiosité pour le monde invisible, espérant secrètement pouvoir un jour rencontrer une entité, vivre elle-même un événement paranormal. À 16 ans, elle a quitté sa famille, a vécu dans plusieurs états et s'est mariée 3 fois avant de faire la connaissance de Tony. Comme Debra, Tony venait aussi d'une famille religieuse, d'une nature plutôt sceptique, il ne s'intéressait pas au paranormal. Il avait toutefois relaté à Debra une histoire qu'il avait vécue enfant, quand il avait cru voir un visage effrayant émerger de son placard. Cet épisode l'avait fortement marqué. Le couple s'installe donc dans cette maison le dernier jour de l'année 92, alors que Debra était enceinte de 4 mois. Elle ne se souvient plus exactement quand les événements ont commencé à se dérouler, mais très vite, dès le départ, au lieu de se braquer et de se laisser envahir par la crainte, elle a tout de suite développé une curiosité pour les menus événements qui prenaient place dans sa maison. La première chose étrange qu'elle avait notée était la lumière du salon qui diminuait quelques minutes, puis revenait ensuite à sa pleine puissance. Suite à cela, Tony a changé les ampoules et les fusibles, mais le problème a perduré plusieurs jours, jusqu'à ce que le phénomène s'arrête quand Tony a lancé cette boutade « Nous avons certainement un fantôme !» Bien évidemment, ils n'ont pas tout de suite sauté à la conclusion que leur maison était hantée, mais Debra s'est demandé si l'entité, qui était possiblement derrière ces petites choses qui sortaient de l'ordinaire, avait cessé de jouer avec la lumière parce que justement, elle était parvenue à attirer leur attention. D'autres faits ont eu lieu, mais ils étaient tellement subtils que la jeune femme n'a pas jugé nécessaire de les relever dans son carnet tout de suite. Un jour, Tony, qui était monté à l'étage, a vu sa chienne samoyède Sacha aboyer devant la future chambre du bébé. Tony tenta d'attirer Sacha dans la pièce, mais celle-ci refusa de le suivre et continua d'aboyer et de grogner durant plusieurs minutes en direction de la chambre. Cet événement s'est reproduit durant une semaine jusqu'à ce que la chienne puisse de nouveau entrer dans la pièce. Souvent dans la maison, Debra remarquait des points froids et de brutales chutes de température, principalement en haut des marches. Durant le dernier trimestre de sa grossesse, la jeune femme souffrait terriblement de la chaleur étouffante qui régnait à l'étage. Ainsi, elle dormait souvent avec Tony au salon, avec les portes et les fenêtres ouvertes. Une nuit particulièrement chaude, Debra fut réveillée en sursaut par des bruits de cris, suivis de pas descendant en trombe l'escalier. La jeune femme fut persuadée que quelqu'un avait pénétré dans la maison. Elle sentit alors quelque chose heurter son visage et elle hurla de terreur. Tony, alerté par ses cris, se réveilla. Par réflexe, il cria aussi. Puis après quelques minutes, il tenta de la calmer et ils examinèrent ensemble la pièce, mais ne trouvèrent rien d'inhabituel. Toutefois, ils notèrent que leurs 3 chats avaient le poil hérissé et déambulaient dans la pièce comme s'ils s'attendaient à une embuscade. Quelques semaines plus tard, c'est le minuteur de son four qui sonnait quand elle ne l'avait pas mis en route, ou encore quand elle le mettait en route, l'indicateur des minutes de cuisson restant diminuait ou augmentait soudainement sans aucune intervention de sa part.
Des amis qui étaient venus dîner à la maison leur suggérèrent de déconnecter le minuteur. Debra en prit note, mais n'en fit rien. Coïncidence ou pas, c'est à partir de ce moment qu'étrangement, celui-ci fonctionna à nouveau sans problème. Son fils Taylor naquit le 26 juin et Debra décida de repeindre la nurserie. Un jour, elle remarqua que lorsque quelqu'un l'appelait au téléphone et qu'elle se déplaçait avec le combiné dans la nurserie, chaque fois le téléphone devenait muet. Il suffisait qu'elle ressorte de la pièce pour que la connexion soit de nouveau établie. Cet événement se produisait également dans d'autres pièces de la maison, peu importe la météo et peu importe les personnes qui appelaient. Puis un jour, comme pour le lustre qui s'allumait et s'éteignait, le minuteur du four qui faisait des siennes, ce problème cessa aussi vite qu'il était apparu. Le soir, au moment du coucher, une fois Taylor dans sa chambre, il lui arrivait fréquemment de pleurer toute la nuit. Épuisée par ses nuits blanches, Debra fit appel à sa sœur Karen qui habitait à New York. Elle-même était devenue maman depuis peu. Karen, soucieuse de les aider, prit l'avion et se rendit chez eux. Elle s'occupait ainsi de Taylor et dormait sur le canapé, le berceau du petit à côté d'elle. Durant tout le temps où elle était là, le bébé enfin retrouvait un sommeil apaisé et les parents purent récupérer. Quelque temps après cela, ils rendirent visite aux parents de Tony et quand ils retournèrent chez eux le soir, Tony monta à la salle de bain et en redescendant à la cuisine, il demanda à sa femme pourquoi elle avait disposé les nounours et peluches de leur fils sur le sol de sa chambre. Un peu perturbée, Debra lui demanda comment ils avaient pu arriver là. Tous les trois, Tony, Debra et sa sœur, montèrent à l'étage. Une fois arrivés à la chambre, Debra fut stupéfaite de voir les peluches disposées méthodiquement dos à dos en un cercle parfait au centre de la chambre de son fils. À ce moment-là, ils crurent que quelqu'un leur avait fait une farce. Comme ils verrouillaient rarement leur porte d'entrée, peut-être était-ce George, le frère de Tony, qui leur avait fait une farce ? Ou encore Jenny, la belle-sœur de Tony, qui était passée plus tôt dans l'après-midi pour leur déposer une chaise. Mais plus ils y pensaient, plus ce scénario de mise en scène leur semblait improbable. Pour en avoir le cœur net, Debra décida d'appeler Jenny pour lui demander si, lors de sa visite dans leur maison, elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans la nurserie. Avait-elle touché aux peluches ? Un peu déconcertée, celle-ci lui répondit par la négative, soulignant le fait qu'elle n'avait touché à rien. Pourquoi, il y a quelque chose qui ne va pas ? Debra lui expliqua le cercle des peluches dans la chambre. Jenny appela alors son mari, puis enchaîna. « Écoute, Debra, je ne voulais pas t'en parler, mais j'ai senti quelque chose dans la chambre. » Il y avait quelque chose qui n'allait pas. En haut de l'escalier, elle avait senti un froid inexplicable et ressenti un profond malaise. Ce sentiment empira dans la nurserie. Aussitôt, Jenny se rua dans l'escalier et quitta la maison en trombe. « Je ne peux pas t'expliquer ce que c'était, mais c'était très étrange. » Ne sachant que penser, ils conclurent que c'était sans doute George, le frère de Tony, qui leur avait fait une blague. Ils remirent les peluches en place. Tony éteignit la lumière et tous les trois descendirent l'escalier. C'est alors que Karen, la sœur de Debra, s'aperçut au bas des marches que la lumière de la nurserie s'était rallumée. Ils s'attendaient encore à ce que l'un d'eux avoue la blague, forcément, cela ne pouvait pas s'expliquer autrement. Mais comme rien ne venait, c'est de plus en plus angoissé qu'ils remontèrent l'escalier. Arrivés en haut, ils glissèrent un œil craintif dans la chambre. Ils constatèrent avec effroi qu'au milieu de celle-ci se trouvait le nounours de leur fils, un ours en peluche au poil en bataille. Ils cherchèrent à nouveau, mais personne n'était caché. Debra suggéra alors ceci. Étant donné que cela joue avec les jouets, peut-être s'agit-il du fantôme d'un enfant. Un fantôme vivait avec eux dans la maison? Pourquoi était-il là? Leur voulait-il du mal? Après cet événement, ils décidèrent de se tourner vers une aide extérieure. Rattrapés par la logique, ils se disaient encore que malgré tout, il devait y avoir une explication rationnelle. Tony appela son frère Larry, qui accepta de venir malgré ses réserves. Ce dernier leur proposa de parler à la sœur de son patron, une certaine Barbara, qui était une médium reconnue. Le lendemain, en rentrant du travail, Tony informa Debra que sa mère avait appelé l'une de ses anciennes connaissances, qui était la mère de la précédente propriétaire. Elle avait appelé sa fille qui habitait la maison autrefois. Cette dernière lui raconta qu'il régnait souvent une odeur désagréable et qu'elle était étonnée que son garçon, dont la chambre était l'actuelle nurserie, laisse toujours traîner ses jouets sur le sol en affirmant que ce n'était pas lui qui l'avait fait. Sa fille, qui dormait dans la pièce voisine, s'était elle aussi créée une amie imaginaire qui s'appelait Sally. Sally, c'était donc elle qui hantait la maison ?
Larry, le frère de Tony, les appela ensuite pour leur dire que Barbara, la médium, s'était connectée à distance avec la maison. Elle percevait à l'intérieur l'esprit d'une petite fille âgée entre 5 et 13 ans. Cette entité était attachée à la maison et protégeait son bébé. Tony et Debra étaient mal à l'aise avec l'idée que le fantôme d'une petite fille était resté dans la maison. Néanmoins, ils voulaient en savoir plus. Ce soir-là, en montant se coucher, ils s'aperçurent qu'une image de leur couple avait été positionnée à l'envers. Tony lui demanda « Que penses-tu que cela signifie ? Peut-être qu'elle nous aime bien. » En rentrant dans sa chambre, ce soir-là, Debra dit à haute voix « Bonne nuit, Sally. » Le lendemain, George, le plus jeune frère de Tony, émettait des doutes sur toute cette histoire. Alors qu'ils étaient tous les deux au salon, exaspérés par son scepticisme, Tony prit l'ours. Ils avaient un ours rempli d'haricots qui était placé près de la télévision. Donc il prit celui-ci en disant « Sally, si tu es la souris, dis cheese !» George, à ce moment-là, vit l'ours rempli d'haricots tourner sur lui-même. Voulant fuir, George était totalement paralysé. Plus tard, il expliquera qu'il était parcouru à ce moment-là par un froid terrible et que ses muscles ne lui répondaient plus. Effrayés par les événements, ils décidèrent de rassembler quelques affaires et de quitter la maison. Mais alors que Tony attachait son fils sur son siège bébé, il ressentit une vive douleur au bas du dos. Arrivé chez les parents de Tony, Debra inspecta le dos de son mari et remarqua trois griffures distinctes. Bousculée par une foule de questions, elle décida alors d'appeler Barbara la médium. Celle-ci lui expliqua que Sally agissait de la sorte car elle voulait attirer l'attention à elle. En revanche, elle protégeait son bébé. Barbara enjoignit Debra d'avoir une discussion avec le fantôme pour lui signifier que sa présence serait tolérée si elle respectait les règles de la maison. De retour chez eux, la jeune maman prit toutes les pincettes pour s'adresser au fantôme de Sally, lui signifiant malgré tout qu'elle n'était pas contente que Tony ait été griffé. Elle pouvait jouer gentiment avec Taylor et rester chez eux, mais elle devait respecter certaines règles comme ne pas blesser quelqu'un, ne pas réveiller le bébé la nuit, remettre les jouets en place. On voit bien comment, à l'espace de 24 heures, l'attitude de Debra change. De la consternation, de la peur face aux événements paranormaux qui se passaient, à la pleine acceptation avec l'idée de cohabiter avec l'esprit d'une petite fille. Réagit-elle ainsi parce qu'en tant que maman, elle était naturellement programmée à répondre à son instinct maternel qui la poussait à protéger la petite fille, même si celle-ci était désincarnée. Ce soir-là, dans la nurserie, elle écrivit sur un papier « Bonjour Sally, quel âge as-tu ?» et laissa quelques crayons à côté. Elle lui souhaita une bonne nuit et quitta la chambre. On peut trouver son attitude étrange, mais en même temps, Debra a toujours été ouverte à l'idée que le monde ne s'arrête pas au visible et qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Le lendemain, ils récupérèrent les photos qu'ils avaient mises à développer et ils constatèrent que sur la photo que Tony avait prise quand il était avec son frère, rappelez-vous, il avait pris le nounours en photo et à ce moment-là, son frère avait été paralysé parce qu'il avait vu le nounours bouger. Et sur la photo, on voyait une silhouette floue comme s'il s'agissait d'un torse humain. Peu après cela, Debra fit des recherches à la bibliothèque de la ville afin de déterrer des informations, mais à aucun moment elle ne trouva une mention du décès d'un enfant dans la maison. Le lendemain, elle alla voir sa voisine et lui demanda avec le plus de tact possible si la précédente propriétaire de sa maison s'était plainte de choses étranges qui seraient arrivées. Comme sa voisine n'avait rien de particulier à lui révéler, Debra décida de prendre congé d'elle. Mais juste avant, sa voisine lui demanda si elle laissait la lumière allumée la nuit dans la nurserie. La jeune mère, stupéfaite, lui répondit par la négative, car leur enfant dormait avec eux dans la chambre. Sa voisine lui précisa alors que la lumière s'allumait souvent la nuit dans la nurserie ou juste avant l'aube. George, le frère de Tony, alla les trouver et remarqua lors de son passage que deux bougies purement décoratives étaient allumées dans la maison. Debra alla vérifier et s'en prit à haute voix à Sally, en lui expliquant qu'elle ne devait pas faire cela car elle risquait de mettre le feu à la maison. Quand Barbara la médium arriva, elle sentit immédiatement une pression thoracique. Elle révéla à Debra que Sally n'était pas contente d'avoir été corrigée. Néanmoins, la jeune femme devait continuer de lui signifier qu'elle était chez eux. Cette médium ne pensait pas que Sally quitterait jamais la maison, parce qu'elle s'y sentait en sécurité et qu'elle aurait probablement de la difficulté à gérer leur départ si un jour ils décidaient de s'en aller. Elle révéla à Debra que Sally aimait certaines odeurs, notamment son parfum.
elle les enjoigna à préparer dans la nurserie un espace dédié aux fantômes. Elle leur indiqua même l'endroit où déposer les affaires, puis elle quitta la maison en leur disant que Sally allait coopérer avec eux et serait sage. En descendant l'escalier, Tony sentit une présence derrière lui. Il photographia les marches. Une semaine après avoir développé la pellicule, on distinguait clairement sur la photo qu'il avait faite de la cage d'escalier une ombre flottant au-dessus des marches. Quand Barbara était là, ils constatèrent que la lumière du plafonnier s'était éteinte quelques minutes avant de se rallumer. Ils sentirent alors le besoin de remercier Sally, qui se manifestait sûrement ainsi. Cet événement amena une nouvelle fois Debra à s'interroger. Est-ce que Sally cherchait l'attention ? Est-ce qu'elle était en train de prouver sa toute-puissance ou voulait-elle simplement manifester sa joie ? Alors qu'ils étaient encore au salon, Tony avait ramené des boissons. C'est alors que Debra et Barbara sentirent une forte odeur de Kool-Aid. La médium lui dit que Sally lui faisait sentir les odeurs qu'elle aimait et qu'elle en sentirait probablement d'autres dans le futur. Elle leur révéla aussi que le soir, Sally s'asseyait à table avec eux. Debra était triste pour la petite fille et pensait au malaise qu'elle devait éprouver à l'idée d'évoluer à l'état de fantôme, de ne pouvoir être aimée ni ressentir de la tendresse comme une personne bien incarnée. C'est pourquoi le couple décida de lui réserver une chaise à table. Après le départ de la médium, ils reçurent les parents de Tony et son frère George. Avec les voisins, ils étaient venus car ils étaient au courant de la situation. Ils avaient amené avec eux des poupées pour les remettre à Sally en guise d'apaisement. Quand ils descendirent, ils dirent à Debra que l'un des oursons en peluche avait bougé et qu'une note était inscrite sur le papier que Debra avait laissé pour le petit fantôme. Tout excité, Debra se rua à l'étage et s'aperçut que la peluche qui était placée avant cela sur la chaise se trouvait dans le coin réservé à Sally. « Tu aimes beaucoup ce nounours, n'est-ce pas, Sally ?» demanda Debra. Elle attrapa les deux poupées apportées par les voisins et les posa dans le coin à côté du nounours. « Voilà deux poupées pour toi, tu pourras jouer avec elles. » Puis elle alla vérifier la note et lut « 7 » suivi de « like »,« 7 » plus la mention « j'aime ». Ces mots avaient été écrits avec un crayon vert. Debra en déduit que « 7 » était son âge, elle avait 7 ans, et « like » signifiait qu'elle était heureuse d'être avec eux. Debra était ravie et surprise que Sally pouvait leur répondre. Elle éprouva même un sentiment de fierté à l'égard de son petit fantôme. « Je vais accrocher ton message sur le frigidaire afin que tout le monde puisse admirer ce que tu as fait. Tu peux être fière de toi. » Tous les jours, durant plusieurs mois, Debra lui faisait un dessin ou notait une question. « C'est quand ton anniversaire ? Qu'aimes-tu ?» À chaque fois, elle lui disait qu'elle l'aimait. Malheureusement pour la jeune maman, les mois passèrent sans qu'il n'y ait la moindre réponse. Debra se demandait si elle ne la pressait pas trop, car la première réponse était arrivée au bout de 3 jours seulement. Elle espaça donc les notes et après un mois sans réponse, elle finit par se demander si Sally était têtue ou si le premier mot avait été possible uniquement grâce à l'énergie émotionnelle qu'il y avait eu plus tôt dans la journée avec la venue de Barbara. Mais Debra n'abandonna pas et continua de lui poser des mots sans jamais obtenir une autre réponse. Quelques jours après le départ de Barbara, Debra décida de laver l'une des poupées emmenées par les voisins. Elle la lava et lui trouva une jolie robe. Puis après l'avoir reposée dans le coin, elle prit des photos. Elle attendit impatiente le développement de la pellicule. Quand elle alla les chercher, elle s'aperçut avec surprise que sur la photo qu'elle avait prise de la poupée, il y avait au milieu une ombre qui obscurcissait la quasi-totalité de la photographie. D'autres photos présentaient les mêmes anomalies. Alors elle fit des copies et les envoya à Barbara. Depuis cela, Barbara se sentait inconfortable quand elle était seule dans la maison. Elle n'était plus très sûre si elle avait affaire à un fantôme totalement inoffensif. Dans les jours suivants, elle décida, sur les conseils de George, d'aller chercher une nouvelle poupée pour Sally. Une poupée neuve, si possible la poupée d'un garçon, afin que la petite fille désincarnée joue avec la poupée plutôt qu'avec son fils Taylor. Dans son coin dédié, elle déposa également l'une de ses anciennes robes, un chapeau, des perles, des biberons et d'autres jouets qu'elle déposa dans une boîte. La jeune maman emballa les cadeaux et joignit une note. « Pour Sally, nous espérons que tu apprécieras ta poupée avec amour. » Signé Oncle Georges, Papa, Maman et Taylor. Une après-midi, alors qu'elle monta Taylor à la chambre, Debra ne remarqua rien d'anormal en passant devant la nurserie.
Elle posa le bébé sur le lit et se changea. Puis elle alla chercher quelque chose à la salle de bain et jeta un nouveau coup d'œil à la nurserie. Et vit la nouvelle poupée hors de sa boîte et posée au milieu du berceau de Taylor. Bizarrement, les emballages étaient restés intacts. « Ah, Sally, tu as une magnifique poupée !» Aussitôt, elle alla chercher sa caméra et prit deux photos. Ensuite, elle descendit avec Taylor et la boîte intouchée qui avait pourtant été vidée de son contenu et appela George. Devant lui, elle ouvrit la boîte. Celle-ci était bien vide. Elle n'en revenait pas, car le scotch n'avait pas été retiré. Comment un objet solide pouvait ainsi traverser la matière? Deux jours plus tard, la mère de Tony vint leur prêter main forte pour poser le papier peint dans la cuisine. Cette dernière n'aimait pas Sally et voulait faire venir un prêtre dans la maison pour la chasser. Une fois arrivée, elle s'occupa de Taylor qui s'endormit dans ses bras et le posa dans le berceau qui était au salon. Elle alla ensuite à la cuisine pour aider à poser le papier peint. Peu après, elle entendit Taylor crier de douleur comme si quelqu'un l'avait pincé. Très en colère, la mère de Tony s'écria « Sally, si tu fais encore du mal à ce bébé, je te donnerai une fessée !» Puis alors que Tony était au salon pour calmer le bébé, il appela sa femme fortement remuée. Il lui expliqua qu'il avait vu le globe de verre posé sur la lampe à huile se soulever, puis flotter au-dessus du sol et traverser la pièce comme s'il était porté. « Il est tombé au sol quand je t'ai appelé !» Un matin, alors que George était chez eux, somnolent sur le canapé, il sentit un poids sur sa poitrine. Persuadé qu'il s'agissait de l'un des chats du couple, sans ouvrir les yeux, il fit un geste de la main. Mais celle-ci heurta le nounours rempli d'haricots qui était normalement posé près de la télévision. Debra ne comprenait pas les agissements de Sally. Voulait-elle jouer ou cherchait-elle à faire peur? Dialoguer avec le fantôme était devenu une habitude pour elle. Tous les soirs avant de se mettre au lit, la jeune maman invitait le petit fantôme à côté d'elle. Elle était elle-même étonnée de la tournure qu'avaient pris les événements. Elle ne savait pas si la situation était en train de lui échapper et si le fait d'intégrer ainsi Sally dans sa vie ralentissait son processus d'évolution et la retenait sur terre. Mais plus les jours passaient, plus elle se familiarisait avec cette étrange situation. Il lui arrivait même de sentir dans le lit des zones froides près de son bras et de son torse. Elle avait le sentiment que c'était Sally qui se couchait près d'elle. Il y eut d'autres petites occurrences, comme l'aspirateur qui s'éteignait soudainement. Et un jour, alors que Debra était partie travailler, en laissant une partie des vêtements encore humides en dehors de son sèche-linge, Tony, quelque temps plus tard, les prit et les mit dans le sèche-linge. Il entendit alors un bruit de coups provenant de la machine et crut qu'une paire de tennis avait dû se retrouver dans la pile et ne fut pas plus inquiété que cela. Il joua avec son bébé et décida de nettoyer un peu la maison. Il alluma la chaîne stéréo et alla chercher l'aspirateur. Soudainement, la musique s'éteignit. Il alla la rallumer, mais elle s'éteignit encore. Comme cela était déjà arrivé par le passé, il décida de laisser la chaîne stéréo éteinte, car ce petit jeu avec Sally pouvait s'éterniser. La même chose se produisit avec son aspirateur, qui s'éteignit également. Il le ralluma et il s'éteignit encore. Tony sentait la colère monter. Au bout de la sixième fois, à bout, il hurla contre Sally et put enfin poursuivre sa tâche. Le reste de l'après-midi fut calme, mais le soir venu, après être rentrée chez elle, Debra se dirigea vers le sèche-linge. À l'ouverture, elle vit de nombreux points marrons rouges sur les vêtements. En tâtonnant davantage, elle se mit à hurler en criant « Non, non, non !» Elle venait de découvrir le corps de l'un de ses chats. Après cet effroyable incident, ils s'étaient tous les deux mis d'accord avec le fait que Sally avait tenté de les avertir que le chat était coincé dans le sèche-linge. Pourtant, cette nuit-là, Debra se demanda comment Sally était-elle capable d'éteindre une chaîne stéréo, d'éteindre également un aspirateur à plusieurs reprises, sans pourtant pouvoir interférer avec le sèche-linge. Peut-être qu'il y avait des choses que Sally n'avait pas la capacité d'empêcher. Après cet épisode, la maison redevint calme, au point où Debra se demanda si son petit fantôme était parti. Elle réalisa qu'elle espérait que Sally ne parte pas, car elle s'était attachée à elle. La jeune maman était en réalité ravie de cette relation, et se demandait combien de temps elle durerait. Elle se posait une foule de questions sur Sally. Elle savait que ce fantôme était conscient que ses actions avaient un impact sur le monde des vivants. Elle n'était pas seulement une énergie résiduelle.
D'autres petits événements se produisirent. Tony, par exemple, se plaignit d'être mordu et les bougies des toilettes continuaient de se rallumer. Un matin, coïncidence peut-être, mais c'était un jour d'Halloween, Tony se préparait un jus d'orange fraîchement pressé et il releva à un moment les yeux et eut le choc de sa vie. Une petite fille se tenait devant lui, l'air surpris. Elle avait de grands yeux bleus, ses cheveux étaient maintenus par un ruban bleu, sa robe était ancienne et élégante avec des manches bouffantes. Elle se tenait devant lui, curieuse, sans bouger. Il laissa tomber son verre. Il regarda par réflexe au sol, puis releva la tête, et la petite fille avait disparu. Il n'y avait eu aucun bruit. Il réalisait alors qu'il avait vu Sally, et se demanda s'il n'avait pas rêvé. Ce qui l'avait surpris par-dessus tout, c'est combien la petite fille avait l'air réelle. Et il entreprit alors de dessiner son portrait. Debra déposa le portrait qu'avait fait Tony de Sally près de la photo de Taylor. Elle voulait que la petite fille se sente pleinement à l'aise dans sa famille. Pour Thanksgiving, le couple accueillit Karen avec sa petite fille et son mari. Durant leur présence, il y eut quelques phénomènes. Les bougies des toilettes qui s'allumaient, et Karen entendit également des bruits de grattement à la fenêtre de la cuisine. Une nuit, Karen, qui occupait le canapé du salon, aperçut le nounours, le petit nounours avec des haricots à l'intérieur. Elle aperçut donc ce nounours en feu avec 15 cm de flamme qui sortait de sa tête. En l'examinant avec attention, elle constata que la tête du nounours avait totalement fondu. Et Debra, qui le regarda de plus près, vit qu'il était couvert d'anciennes traces de brûlures à différents endroits. Debra avait pourtant maintes fois rappelé à Sally les dangers liés au feu. Elle la gronda alors comme une petite fille et la renvoya même dans sa chambre. Dans son fort intérieur, elle avait pourtant de la peine pour Sally, car c'était le seul moyen qu'avait trouvé son petit fantôme pour attirer l'attention à elle. Dans les jours qui suivirent, quelques petites choses inhabituelles se produisirent, puis vint la fête de Noël et ils avaient prévu d'inviter de nombreuses personnes. Tout se passa normalement durant la fête. Toutefois, lors de la distribution du Père Noël, Debra eut le cœur en miettes en pensant à la tristesse que devait ressentir Sally d'être ainsi exclue de la distribution des cadeaux. Au moment où les invités partaient pour rentrer chez eux, l'alarme incendie se déclencha. Et ils trouvèrent sur la cinquième marche de l'escalier une poupée faite main en train de brûler. Tony prit la poupée et la monta à l'étage afin de ne pas inquiéter les visiteurs. Tout en faisant cela, des morceaux de tissu tombaient sur le tapis. Et une fois à la salle de bain, il se rendit compte que ses deux avant-bras avaient été brûlés. Une fois les derniers invités partis, Debra gronda fortement Sally. Mais attristée à l'idée qu'elle avait sans doute eu le cœur brisé de ne pas recevoir de cadeaux, elle lui expliqua que le Père Noël l'avait sans doute oublié parce qu'il ne pouvait pas la voir. Le lendemain, Debra s'adressant à Sally, lui dit qu'elle pouvait continuer de communiquer avec eux via la lampe à huile en allumant la flamme. C'était ainsi beaucoup plus sûr. Le lendemain, Debra avait organisé une nouvelle rencontre avec le Père Noël, afin que son fils Taylor, qui dormait la veille lors de la distribution des cadeaux, puisse le voir. Alors qu'il arriva, la lampe à huile s'alluma tout de suite. La personne déguisée en Père Noël avait été mise au courant pour le fantôme. Elle lui dit « Bonjour Sally, comment vas-tu ? Je sais que tu es là. Je suis fière de toi. Je suis fière que tu aies allumé la lampe. » Debra avait acheté quelques présents pour Sally et lui demanda de se joindre à elle pour les ouvrir. Elle lui dit qu'elle allait prendre des photos. Quand elle récupéra ses photos après le développement, elle aperçut deux anomalies à côté d'elle, une masse grise et l'autre plus claire. Elle réalisa qu'il y avait donc deux présences dans la maison. Mais qui était cette autre entité ? Leur voulait-elle du mal ? D'autres événements arrivèrent dans les jours suivants, des pas dans l'escalier, des marques sur les poignets de Tony, des cuillères qui se retournaient, des objets qui disparaissaient et réapparaissaient. Un jour, Tony crut même voir une femme passer devant la salle de bain. Elle avait des cheveux blonds, attachés en chignon et des manches longues. Les jouets aussi s'allumaient sans intervention extérieure, et Tony était de plus en plus souvent griffé. Il était fréquent que des amis s'invitent chez eux à l'improviste, intrigués par les histoires de fantômes. Mais cette situation finissait par leur peser. D'autant que fréquemment, les personnes repartaient déçues, car il ne se passait souvent rien. En 1994, il n'y eut plus aucun phénomène durant 5 semaines. C'était la première fois que Sally ne se manifestait pas sur une si longue période.
Debra s'inquiétait de son absence et réalisa combien elle s'était attachée à elle. La jeune femme avait le sentiment d'avoir perdu une amie. Puis l'activité reprit. Les jouets musicaux de Taylor s'allumaient à nouveau. La télévision s'allumait et s'éteignait toute seule. Un matin, Debra aperçut dans l'escalier une boule de lumière de la taille d'une balle de tennis. La boule resta une demi-seconde immobile, puis effectua un mouvement de spirale et disparut dans l'escalier. Quelques jours plus tard, alors que Taylor faisait la sieste, Tony lui remonta sa couverture sur son ventre, mais celle-ci fut aussitôt retirée. Pensant que sa montre avait dû se prendre dans la couverture, il refit le geste, mais aussitôt la couverture se retira. À haute voix, il dit « Arrête ça !» Cette fois-ci, la couverture resta en place. Un matin, alors que Debra jouait avec Tony dans la nurserie, elle entendit un bruit fort, comme une sorte de cri provenant du lit à barreaux de son fils. Il s'agissait d'un de ses jouets qui enregistrait les sons et les rendait ensuite. C'était un jouet enregistreur qui se déclenchait seul quand le bébé babillait et jouait ensuite l'enregistrement afin de développer le réflexe du langage chez l'enfant. Le son enregistré ressemblait à une sorte de grognement. Il était clairement menaçant et pour la première fois, Debra se demanda si la deuxième entité qui habitait dans la maison pouvait être démoniaque. 15 minutes plus tard, elle entendit un grognement alors qu'elle passait devant la chambre dans laquelle dormait Tony. Encore quelques minutes plus tard, celui-ci l'appela. Il lui expliqua qu'il s'était réveillé parce que quelque chose d'invisible sautait sur le lit. Et une masse sombre et compacte s'était ensuite formée au bout du lit et avait pris la forme d'un torse humain avec ses bras repliés sur son abdomen. Cette présence s'était rapprochée de lui, si bien que Tony avait pu distinguer ses cheveux noirs. C'était une femme vêtue de noir avec un col montant. Le lit continuait de remuer et la porte de la chambre claqua. Les tiroirs de la table de nuit s'étaient ouverts et fermés de manière continue. Et durant tout ce temps, il avait été dans l'incapacité de bouger. La médium Barbara effectuait souvent des conférences durant lesquelles elle parlait parfois de la maison des Pickman. Lors d'une de ces conférences, elle fut approchée par des journalistes de l'émission Sightings. Ils étaient fortement intrigués par les événements qui se déroulaient dans la maison. Ils se rapprochèrent ainsi de la famille Pickman. Debra était emballée à l'idée que l'équipe de télévision puisse leur apporter des réponses. Tony, lui, était plus réservé. Il ne voulait pas mettre sa réputation en danger, sa grande peur étant qu'on les prenne pour des fraudeurs. Mais après une semaine de tergiversation, ils acceptèrent. L'équipe de télévision authentifia les photos que Debra leur avait transmises. Puis, elle arriva à la maison et s'installa pour 2 jours. Dès le début du tournage, les choses allèrent mal. Tony sentit un courant froid autour de son bras et fut griffé. Il appela sa femme. « Deb, elle n'aime pas tout ce monde dans la maison. » Sans cesse, un courant d'air froid l'entourait. Parfois, il y avait aussi comme de petites décharges électriques dans l'air. Certains membres de l'équipe de télévision sentaient des petits chocs électriques dans leurs jambes. Plus tard dans l'après-midi, Tony fut plusieurs fois griffé. L'équipe de télévision parvint à filmer en direct les marques de griffures gonflées et saignées et de nouvelles marques apparaître. La médium Barbara, qui était présente lors du tournage, demanda à Sally qui avait fait les griffures sur Tony. Le fantôme lui indiqua qu'il s'agissait de l'esprit d'une femme, mais qu'elle ne la connaissait pas. L'équipe de télévision de Sightings était tellement intriguée par le cas des Pickman qu'ils revinrent quelques semaines plus tard. Lors d'une de leurs visites, ils invitèrent également le célèbre médium Peter James. Dès son arrivée, il vit une petite fille à la fenêtre de la maison. Debra était ravie qu'en l'espace de quelques minutes, il trouve le nom de Sally. Devant la chambre parentale, Peter sentit une puissante résistance. Une force hostile ne voulait pas qu'il pénètre dans la chambre. Tony sentit alors un courant d'air froid le traverser et se plaignit d'une douleur dans le bas de son dos. Et c'est alors qu'ils aperçurent qu'il était écrit sur son dos les lettres M et C. Peter James s'adressa à l'esprit. « Hello, tu ne me fais pas peur. » Il pénétra dans la chambre et demanda à l'entité de ne pas blesser Tony. Tony fut attaqué de nouveau et le bas de sa chemise prit feu. L'équipe de télévision était déconcertée. Peter James leur dit qu'il y avait au moins 3 morts dans la maison et qu'un d'entre eux était lié au domaine médical. Ça lui fit comprendre qu'elle avait des douleurs dans les poumons, aux chevilles et à ses pieds.
L'équipe de télévision, voyant l'emballement du public pour le cas, voulut effectuer une quatrième visite, cette fois sur 24 heures. Tony commença à en avoir assez et voulait retourner à une situation normale, mais sa femme, elle, voulait toujours plus de réponses. Cette fois-ci, l'émission avait déployé l'artillerie lourde. Tout allait être contrôlé par des caméras thermiques, des multimètres pour mesurer la tension électrique. Des caméras étaient placées de manière stratégique dans la nursery, en haut des escaliers et dans le living room et la salle à manger. Tony, qui craignait qu'on l'accuse de tricherie, passa la plupart de sa journée sur une chaise dans le living room. Pour s'alimenter, on lui apportait directement de quoi boire ou manger. S'il allait aux toilettes, il retirait sa chemise afin de ne pas être accusé de se faire lui-même de nouvelles marques. Plus tard, il y eut d'autres égratignures qui n'avaient pu être faites par tricherie. En tout, il y eut 11 nouvelles marques sur Tony. Ce soir-là, on lui demanda de s'adresser à Sally pour qu'elle se manifeste. Sur le moment, il n'y eut rien d'anormal. Mais après que l'équipe ait écouté la bande, ils entendirent un grognement. Plusieurs caméras positionnées dans la maison capturèrent des voltages élevés et des interférences. Le lendemain du tournage, une femme vint trouver Debra et Tony, indiquant qu'elle était chamane et qu'elle voulait les aider à nettoyer leur maison de toute la négativité qui y régnait. Sa requête tombait à pic car les attaques sur Tony se multipliaient. Le couple prit cela comme une opportunité. Lors de ce nettoyage, Tony ressentit des griffures sur les épaules. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Tony a vécu les événements de manière totalement différente à la manière dont les a vécu Debra. Pour Tony, vivre dans cette maison avait été un enfer. Il avait constamment peur pour sa famille, peur que l'entité s'attaque à sa femme et à son fils après s'être lassé de lui. Là où Debra percevait l'innocence, lui percevait la menace. Plusieurs fois, il avait essayé de raconter à sa femme ce qu'il vivait de son côté, mais Debra était tellement persuadée d'être en contact avec le fantôme d'une petite fille que très souvent, elle mettait ses dires sur le compte d'une hallucination. Comme Tony travaillait de nuit et dormait seulement quelques heures en journée, elle doutait de ses propos. Elle était persuadée qu'il exagérait, si bien que Tony avait cessé de lui raconter ce qu'il traversait au quotidien dans cette maison. Il ne lui révéla ses expériences que plusieurs années après. Sans arrêt, il entendait gratter derrière le mur. Il entendait des voix dans la maison. C'était au point où il entendait des personnes parler constamment dans cette maison, comme si celle-ci était pleine de monde. Il était persuadé que la hantise était démoniaque et l'avait conduit aux portes de la folie. Il y avait seulement une chose dont Debra se souvenait. Elle se rappelait qu'un week-end dans le living room, alors que Tony s'était endormi à côté d'elle, elle l'avait vu soudainement s'asseoir et dire d'une voix étrange et mécanique « Il est à moi ». Sur le moment, Debra avait été confuse et s'attendait à ce que Tony dise autre chose, mais il s'était rallongé et s'était rendormi. Sur le coup, elle avait pensé qu'il avait fait un rêve, mais avec le recul, elle se demandait si à ce moment-là, il n'avait pas été possédé. En fait, les choses étaient plus graves que cela, parce que quand ils étaient encore dans la maison, Tony, qui était en proie à son tourment, avait même éprouvé des sentiments d'animosité à l'égard de sa femme. Il lui avoua plus tard qu'il avait mené un rude combat pour ne pas lui faire de mal. Il était persuadé que cette énergie négative venait des esprits qui maraudaient dans la maison. Un jour, il appela sa femme au travail pour lui dire qu'il n'avait pas fermé l'œil et qu'il était temps pour eux de quitter cette maison, car il allait sûrement se passer quelque chose de mal. Et je pense que c'est toi qui vas prendre. Tony lui avoua qu'un matin, alors que Debra était partie travailler, ne trouvant pas le sommeil, il s'était préparé un bol de céréales et avait trouvé un chat buvant le lait. Il n'avait pas reconnu le chat, qui était probablement un chat errant, et se demandait comment celui-ci était entré dans la maison. Cela l'avait mis tellement en colère qu'il avait saisi un couteau et poignardé le pauvre animal. Sur le moment, il avait été fier, fier à l'idée que sa femme qui aimait le chat, qui aimait les animaux, le trouve mort dans la cuisine. Il s'était ensuite dirigé vers le salon avec cette pensée en tête « Je la poignarderai aussi ». Il avait élaboré ce jour-là des projets dans sa tête pour la tuer, s'imaginant lui couper la gorge. Puis dans l'après-midi, ses pensées revinrent à la normale. Il avait nettoyé et jeté le cadavre du chat. Deux jours plus tard, après cet événement, il avait senti qu'on le poussait depuis sa chambre avec une telle violence qu'il avait failli tomber dans les escaliers. Sur les dernières semaines, Tony avait été tellement désespéré qu'il était allé voir un prêtre.
Et c'est après cet épisode de la cage d'escalier où il avait senti qu'on allait le pousser, que Debra l'avait cru et que tous les deux décidèrent de quitter la maison. Avec le recul, après avoir déménagé de cet endroit, Debra était convaincue en regardant les événements passés qu'elle avait bien été en contact avec le fantôme d'une enfant qui avait besoin d'être réconfortée et qu'il y avait bien eu un lien qui s'était créé avec elle, un lien si puissant qu'elle avait même l'impression parfois de percevoir les pensées de la petite fille. Elle avait aussi le sentiment qu'à chacune de ses demandes, Sally coopérait. Quand elle lui disait de ne pas allumer des feux, elle les allumait plus, elle s'arrêtait et elle allumait plutôt la lampe à huile. Elle avait le sentiment que toujours Sally coopérait. Elle avait en fait mis beaucoup d'énergie à comprendre cette petite fille. Et elle réalisa après coup qu'elle avait été tellement excitée à l'idée de communiquer avec son petit fantôme qu'elle n'avait pas réellement cherché à comprendre la nature de cette énergie. Sur la fin, elle a tout de même pensé que la présence dans la maison n'était peut-être pas si innocente qu'elle voulait bien le croire au départ. Il y avait peut-être deux entités dans la maison, mais peut-être aussi, elle se demandait si Sally avait réellement existé, si tout cela n'avait pas été une ruse. Donc, elle est persuadée, au final, d'avoir été surtout en présence d'une force démoniaque qui voulait détruire leur vie, qui jouait avec leurs émotions et leurs peurs. Il y avait peut-être bien l'esprit d'une petite fille dans cette maison. Mais cette petite fille avait pu également être une ruse, un moyen d'appâter leur confiance. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il s'agissait bien d'une petite fille dans cette maison? Est-ce qu'il y avait deux entités? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Est-ce que Sally était une enfant de 7 ans? Ou était-elle une chose beaucoup plus sombre qui avait pris l'apparence d'une petite fille et qui jouait avec le couple Pickman? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Enfin, pour information, la maison est ouverte au public et peut être visitée. Et l'on peut même y dormir. Sweet dreams!